Les étudiants de Master 2 MEF utilisent un éditeur de texte collaboratif afin de mettre en commun leurs réflexions et de construire ensemble un document de synthèse. Ici, il s'agissait de confronter différentes versions d'un résumé sur un texte théorique à visée pédagogique. Grâce à cet outil, je peux interagir rapidement auprès de chacun des groupes. Les différentes versions apparaissent aux yeux de tous, ce qui facilite la mise en commun et constitue un véritable réservoir d'idées. Enfin, le document peut être placé en ligne sur une plateforme numérique que les étudiants utilisent régulièrement. J'ai trouvé que l'éditeur de texte était intéressant parce que lors de la mise au commun, ça nous permet de voir tout ce que les autres ont pu écrire globalement sur la même partie. Ça nous évite d'écouter les autres parler, surtout quand il s'agit du même travail, que les gens doivent tous faire le même travail, ça nous évite de tout le temps écouter la même chose. Et de fait, pouvoir avoir l'aspect visuel et que tout soit sous notre nez, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je pense que ce travail est intéressant surtout pour l'après. Pour le travail personnel, on peut récupérer ce qui nous semble le plus intéressant ou des tournures de phrases qu'on n'aurait pas forcément imaginées. On peut récupérer ce qui nous semble le meilleur en fait pour créer notre propre résumé. Alors moi j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on pouvait voir les réflexions de chaque groupe à l'instant T. À chaque fois qu'un groupe écrivait quelque chose, on pouvait le voir et donc avoir un feedback sur notre travail aussi.